Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du blog leslecturesdelia.com. Aujourd'hui, je viens vous présenter un jeu et non pas un livre. Donc c'est un jeu pour les enfants à peu près de 3 ans, un peu plus grand, parce que j'ai testé avec mon petit de 3 ans et il a eu, enfin c'est écrit 3-7 ans, voilà. 3 ans, je trouve ça un peu jeune, mais bon, pourquoi? Enfin bref, toujours est-il que je vous le montre tout de suite, on va arrêter de parler. Il s'agit du jeu LipFog. Donc ça s'appelle Mon lecteur Lip, joue, découvre et apprend. Voilà, donc c'est un petit, là il y a un petit cahier avec un petit stylo. Je vais vous montrer, je vais faire une petite vidéo de démonstration. Là c'est vraiment juste pour vous montrer donc le packaging. C'est comme ça, voilà. Et à cela il y a également ce que je vais vous présenter. Donc il y a le pack complet pour découvrir les chiffres, ainsi que le pack complet pour découvrir les lettres. Voilà, donc à chaque fois, je vais vous montrer rapidement, parce que dans celui-là, il n'est pas encore ouvert. Je vais vous montrer rapidement, parce que je disais donc dans la vidéo où mon fils a testé, je ne sais pas si on verra vraiment très très bien, mais bon, je voulais faire une petite vidéo en action. Donc voilà comment ça se présente, par exemple pour le carnet des nombres. Donc voilà, c'est un petit cahier avec l'histoire et puis avec le crayon qui se trouve ici. On va tout ouvrir devant vous. Avec le petit crayon là, il suffit à l'enfant en fait d'appuyer sur un certain endroit comme ici ou alors ici. Donc il y a à chaque fois des petites icônes et puis ça permet de soit écouter une histoire, soit écrire, soit découvrir des jeux et tout ça. Donc pour le crayon, on s'en sert très facilement. On appuie là, ça s'allume. Voilà. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a même la possibilité d'écouter une histoire si on veut. Touche ton livre interactif avec ton lecteur Lip. Comment commencer à jouer ou appuie sur le bouton accueil pour choisir un livre audio, de la musique ou un quiz. Donc voilà, si on choisit l'accueil, on peut écouter un livre audio. Je trouve ça vraiment sympa. Voilà, donc l'enfant peut écouter, c'est vraiment très simple à s'en servir. Et puis voilà, c'est assez ludique. Moi j'ai bien aimé. Donc de toute façon, je vais faire un article beaucoup plus détaillé sur le blog. C'est beaucoup plus simple pour moi de vous en parler par écrit. Et il y a une petite donc, vidéo qui suit avec mon garçon donc, qui a 5 ans et qui joue à ce jeu rapidement. Quoi. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle journée et à bientôt. C'est là, Adam, c'est le A majuscule qu'il faut que tu fasses.